Dans la phrase, les mots peuvent être regroupés selon leur fonction. Il existe trois fonctions principales. Le groupe sujet, le groupe verbal et le ou les groupes compléments. Le groupe sujet est indispensable. Il ne peut pas être supprimé ni déplacé. Il regroupe les mots qui désignent de qui ou de quoi on parle dans la phrase. Le groupe verbal est lui aussi indispensable. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Il correspond à ce que l'on dit du sujet dans la phrase. Il contient le verbe, mais pas que. Enfin, les groupes compléments sont quant à eux supprimables, déplaçables, et il existe même des phrases qui n'ont pas de groupe complément. Ces groupes de mots répondent aux questions où, quand, comment, pourquoi, et d'autres questions encore. Prenons ces trois phrases comme exemple. Première phrase, le chat dort dans son panier. De qui ou de quoi je parle? Je parle du chat. Le chat est groupe sujet. Qu'est-ce que j'en dis? Je dis que le chat dort. Dort est donc le groupe verbal. Puis, nous avons un dernier groupe, dans son panier, qui répond à la question où, c'est un groupe complément. J'aurais pu supprimer, la phrase avait du sens, le chat dort, ça veut bien dire quelque chose. Deuxième phrase, à 17h, Elisa mange une pomme. De qui ou de quoi je parle? Je parle d'Elisa. Et Elisa est donc le groupe sujet. Qu'est-ce que j'en dis? Je dis qu'Elisa mange une pomme. Donc mange une pomme va être le groupe verbal de la phrase. Il me reste une information, à 17h, qui répond à la question quand, c'est un groupe complément. J'aurais pu le supprimer, la phrase aurait eu du sens. Par exemple, Elisa mange une pomme. Dernière phrase, demain les enfants rangeront leur chambre soigneusement. De qui ou de quoi je parle? Je parle des enfants. Les enfants est donc groupe sujet. Qu'est-ce qu'on en dit? On dit que les enfants rangeront leur chambre. Rangeront leur chambre est donc notre groupe verbal. Il nous reste deux groupes de mots. Demain, qui est un groupe complément qui répond à la question quand. Et soigneusement, un groupe complément qui répond à la question comment. J'aurais pu les supprimer tous les deux. Les enfants rangeront leur chambre.